Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Kindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Bon, bonsoir, bonsoir. Voilà, je pense qu'après avoir vu le titre de la vidéo, ou après avoir vu l'introduction, il y a des gens qui auront un petit doute sur le sujet. Parce que j'avais dit, je ne ferai jamais de let's play sur ce jeu. Jamais. Ouais, voilà quoi, voilà. Et en fait, j'ai envie, voilà, j'ai envie d'en faire un. Puisque j'ai vraiment aimé le jeu. Alors, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, je suis arrivé au boss de fin. J'ai fait quelques essais. Et en fait, j'ai voulu aller faire une pause parce que voilà quoi, ça fait un moment que j'étais dessus. Et en revenant, je me dis non, en fait, je vais recommencer, je vais faire un let's play. Parce qu'aussi j'avais fait un petit peu n'importe quoi avec mon personnage, j'avais testé pas mal de choses et comme j'avais plus de reset disponible, disons que c'était pas terrible. Et donc du coup on va faire un let's play. Donc je préviens juste plusieurs choses à savoir tout d'abord. Je le ferai calmement, hein, je le ferai calmement en essayant de... Non, ça va être dur, hein, parce que... Je vous le dis franchement, il y a des boss qui m'ont fait rager, quoi. Il y a vraiment des boss qui m'ont fait rager. Ouais, donc je vais faire le truc calmement. Deuxième chose à savoir, c'est que je suis pas bon, quoi. Je
Je suis vraiment pas bon au Soul, donc je vais galérer plus que le joueur qui habite, il a vraiment l'habitude des Souls. Bon, je joue un petit peu mieux que dans ma vidéo découverte. Voilà, donc je vais mettre le nom, ça vient de Ragnarok Online, sexe. Oui, je peux pas, donc on va mettre homme. Alors la classe. Lors de ma première partie, j'avais fait en mendiant. C'était à part au début, c'est assez hard au début, mais par la suite c'est franchement jouable. Mais là, je vais partir sur un knight, enfin sur un chevalier. Alors j'ai testé toutes les classes en speed un petit peu au début du jeu. J'aime bien l'assassin, mais pour le build que je veux faire, en fait, je veux prendre le knight. Hein, ce que je veux faire en build, qui a un bon ratio de force, dextérité, entre les deux, quoi, en fait. Et comme les stats, comme intelligence, fois chance, j'en ai pas besoin. Je partirai sur knight. Relique funèbre, alors franchement, il y en a que deux qui valent la peine. C'est l'anneau de vie ou la gemme de feu. La gemme de feu, franchement, je pense pas l'utiliser. Je vais prendre le truc classique, je vais prendre l'anneau de vie. Visage prédéfini, je vais reprendre. Hop, je vais directement reprendre. Comme ça va très bien. Voilà, comme ça va très bien. Et puis on va lancer le jeu. Je laisserai toutes les scènes, je ne parlerai pas lors des scènes. À part la scène qu'il y a maintenant, c'est une scène qui n'est pas qui n'a pas de dialogue. Puis on va voir comment ça se passe. Alors pour le rythme des vidéos, je pense vous poster 3 épisodes, 2 ou 3 épisodes par semaine. Pour ouais, 2 ou 3 épisodes par semaine. Ou alors je fais peut-être comme avec Axiom Verge, c'est-à-dire que vous aurez qu'une seule vidéo, mais vous aurez la sélection des parties sur la vidéo en cliquant sur certaines parties de la vidéo. Enfin voilà quoi, voilà. Donc je vais regarder si le son est bon et tout, parce que des fois, attendez, je vais faire un test. Ok, je vais juste faire un tout petit test et on va reprendre. Ok. Ça a l'air d'aller, on regardera après le premier boss. Alors là, vous avez vu qu'il y a un message qui s'affiche, Richard, machin truc. J'utilise en Richard, je vous montrerai la différence avec le jeu Vanilla après. Parce qu'il y a un truc qui me plaît pas avec le jeu Vanilla, c'est cet aspect de. C'est cet effet de. Cet effet de filtre sépia qu'il y a partout. Voilà, donc on essaiera de faire le plus possible, on ira visiter le plus possible de zones, essayer de faire tous les boss, alors évidemment de faire tous les boss, même les boss optionnels, voilà. Alors je parle pas comme un... je vais vraiment le faire calmement, j'ai pas envie de faire le mec qui surjoue, d'ailleurs je ne surjoue jamais, ou encore pire en fait, il y a un truc que je trouve pire sur certaines vidéos, c'est les faux enthousiastes en fait. Ce sont les mecs qui font exprès d'être enthousiastes. Je le suis, hein, non mais franchement, je le suis pour faire ce let's play. Sinon, je ferais pas. Si je serais pas motivé à le faire, je le ferais pas, quoi. Après, bon, si je vois que le truc tombe dans les tréfonds d'oubli, comme pas mal de mes let's play, y a pas un mec là. Je l'annulerai. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, on va aller faire le cristal lézard là-bas. Un ennemi qui est assez fort, j'espère que j'arrive à le battre parce qu'il est assez fort. Vous avez peut-être remarqué que le let's play de Salt and Sanctuary avait disparu. Alors, normalement, en temps normal, je délaisse pas les let's play, à part si je les trouve vraiment moisis. C'était pas un let's play qui était moisi en fait. Le délire de Salt and Sanctuary, c'est que ça a été super intéressant pour moi de l'enregistrer. Ah, j'ai oublié quelque chose ici. Ça a été vraiment intéressant pour moi de l'enregistrer. Mais en fait, j'ai regardé une partie comme ça, aléatoirement. Et c'est vraiment pas un jeu qui est intéressant à regarder, quoi. Vraiment, vraiment pas intéressant à regarder comme let's play. Et non, c'est pas par là. Et Dark Souls, ça va être déjà mieux, quoi. J'ai regardé la deuxième, pas la deuxième, la première partie que j'avais fait. Des fois, je contrôle mes vidéos, voir comment ça passe. Et franchement, c'était bien plus intéressant que tout ce que j'avais fait sur Salt. Donc voilà. Avec Xenoblade, je l'ai pas oublié, mais comme je l'ai dit, Xenoblade, j'ai eu... Ok, donc sur les ennemis qui sont forts, je vais focus. Ah putain! Je vais focus.
Tiens. Essaye de le battre, ça. Cet enfoiré. Parce que les rewards, enfin ce qu'il donne est particulièrement intéressant pour moi et pour la suite. Wow, espèce d'enfoiré. Ok, quand je l'aurai tué, j'irai faire, enfin non, en fait quand j'irai faire un tout petit test de son. Comment ça va? Finalement, il est pas si dur que ça, ce truc. Faut juste se méfier. Mais vous allez voir, il y a des bases, franchement, que j'ai... Putain, je pensais qu'il était mort. Je pensais qu'il était mort. Par contre, là, j'ai perdu le Locon. Des fois, le Locon se perd et j'ai eu pas mal de morts comme ça. Non, mais il y a des boss qui m'ont vraiment, vraiment... qui m'ont vraiment posé problème, quoi. Ok, titanite, écaille, machin truc, et surtout l'expérience. Et une âme de machin truc inconnu. Voilà. Alors, graphiquement, le jeu, je l'ai pas poussé au max, parce que quand je record, il y a quelques petits drops, et disons qu'il y a deux trois petits soucis d'optimisation. Des fois, j'ai du drop et je suis entre 40 et 60 fps. Donc là, vous voyez, en fait, je vais essayer de trouver un bon spot. Vous voyez, c'est avec le Richard. Ça, c'est 100. Ça, c'est le jeu normal. Et en fait, il y a une espèce de filtre. Et je trouve que ce filtre éclaircit trop le jeu. Et franchement, comme ça, ça passe beaucoup mieux. Les couleurs sont beaucoup plus naturelles qu'avec ce filtre. Et je pourrais franchement pas y jouer sans. Donc là, le feu de camp. Qu'est-ce qu'il fout, le chat? Hey! Non! Ah, je vais aller filer à bouffer au chat aussi. Puis je vais vérifier pour le son. Ok, ça a l'air d'être pas mal. On verra après, parce que parfois certaines musiques ou certains sons sont vachement forts. Ah, mais bon, contre les boss, je parlerai pas trop, en fait. T'es sérieux? Donc je vais essayer de ramasser le plus possible d'items, bien visiter les zones. Alors, c'est surtout le début que je connais bien, en fait. Parce que je connais bien le début. Je fais n'importe quoi. Alors je ne sais pas quand sera ma première mare. Je ne sais pas quand ça sera la première, mais combien je pense qu'on peut... On peut dire beaucoup de morts. Récupérer la plupart des items. Évidemment, ce serait un petit peu... Non, franchement, même le premier boss, c'est pas si simple. Putain! Même le premier boss, c'est pas si simple que ça. Ok, mais là, je fais... Je fais n'importe quoi, par contre. Je fais n'importe quoi. Ok, je vais aller me soigner, parce que là j'ai fait tout, il me reste un item à récupérer. Qu'est-ce que ça dit, ça? Oui, c'est le tutoriel de base. Je me suis mis offline, en fait. Je me suis mis online, parce que je préfère jouer online. Ah, mais les contres, j'y arrive pas. Alors je sais qu'il y a un objet là-bas. Voilà, cool. Non, on va éviter de crever contre le premier boss, au moins. Hein, ce serait pas mal. J'aimerais bien réussir à maîtriser les contres, mais... franchement, j'ai pas le timing, quoi. Dans le premier Dark Souls, je l'ai trouvé super simple à faire. Il n'y a pas un... Ah, mais non, je suis tombé, là. Okay. On ira aussi chercher quelques objets au début dans le sanctuaire. On va faire Gungir, je sais pas trop quoi, j'ai de la peine avec son nom. Ok. Est-ce que le lock, merci. Sérieux?
elle va se transformer en... Ah non, ah si. J'ai un truc dans l'œil. Non, il était simple. Il était simple. Donc là, j'ai eu l'épée qui me permet de faire d'activer le feu, je crois, du truc. Je ne sais plus où. Ah, sanctuaire. Bon, pour lui, c'est fait. J'irai récupérer le serpent ring dès maintenant, d'ailleurs. On va faire un tout petit bug pour y accéder. Ah, cet item. On ira aussi buter le... Enfin, buter, c'est un grand mot parce que le truc est fort. Please. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? J'ai vraiment de la peine contre les groupes d'ennemis. En fait. Enfin, j'ai vraiment de la peine tout court dans ce jeu, quoi. C'est pour ça que ça va être comique. Vous allez me voir complètement galérer dessus. Ok. Là-bas, il y a le samouraï Clodo. On ira le faire après. Je vais aller prendre quelques levels en premier. Je vais prendre ce qu'il y a par là. Tous les items. Donc, je vais aller récupérer le serpent ring. Grâce à un petit bug. Un tout petit bug, en fait. C'est un accessoire qui te permet d'avoir plus 10% d'expérience. Enfin, plus 10% d'âme. Enfin, moi, j'appelle ça de l'expérience. Sur tout ce que tu tues, en fait. Et du coup, ben, ça va nous aider pour le let's play. Ça évite. Disons que ça nous avancera pour quelques parties. Voilà. Enfin, moi, une partie où on aura plus d'expérience, ce sera plus tranquille. Après, le bug, j'aurais pas été le faire si. J'aurais pas été le faire si ce sera un item complètement cheaté, quoi. Parce que pour avoir cet item, il faut acheter une clé qui coûte 20 000. Il faut rentrer dans la tour. Et aller chercher comme ça, en fait, en passant par la tour. Ça, on le fera plus tard, puisqu'il y a des trucs. Franchement, il y a des trucs assez intéressants à aller chercher dans la tour. Donc, dès que je serai assez souple sur les âmes, j'irai chercher la clé. Mais là, pour le moment, on va aller chercher. On va aller chercher un truc pour upgrader les astuces flasques, enfin les fioles d'astuces. Et puis le serpentring. Alors, pour le bug, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Il est assez. Enfin, il faut quand même quelques essais. Il faut courir contre l'arbre. Et il faut sauter comme ça. Alors, je le fais à poil. Parce que je sais pas vraiment. Mais je trouve plus facile à le faire si tu as aucun équipement sur toi. Normalement, il me faut toujours 5 ou 6 essais. Et là, j'y arrive du premier coup. Ouais. Donc. Là, on va pas vraiment... faire grand chose. Là, vous voyez en bas qu'on a le sanctuaire. Lui, on s'en fout, c'est le corbeau. C'est le corbeau et je crois. Attendez, je vais faire un test. On va sacrifier un item. Il me semble que si tu donnes un os du retour, il donne. Appelé. Ah ben tiens, il m'a donné bracelet en fer et appelé. Alors, c'est pas celui-là, parce qu'il me semble que celui du haut, il y en a un autre plus haut. Bon, moi, j'ai eu une émote. Attendez, c'est quoi, ce que c'est. J'ai découvert une émote, alors celui-là, je le savais pas. Ok, cool. Wow, je me suis trompé de touche. J'ai fait rond au lieu de X. Celui du haut, normalement, il donne en large Titanic Shard. Je sais plus, en fait, j'ai les noms anglais en mémoire. Non anglais en mémoire parce que en fait le délire, je vous explique comment j'ai découvert ce bug parce que le jeu je l'ai pas fait, je l'ai fait sans celui, c'est juste au début en fait. J'ai après la vidéo découverte, j'étais complètement bloqué et j'ai tourné en rond pendant une heure, j'ai fouillé partout
Et j'en avais eu marre et j'ai été voir sur le net ce qu'il fallait faire après. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vu que c'est comme ça que je suis tombé sur le truc du bug au début. Et en fait, il suffisait juste d'aller en feu de camp et de faire voyager, quoi, pour débloquer la prochaine zone. Et ça, j'ignorais complètement. Et j'ai complètement bloqué ici, quoi. Voilà, donc là, je récupère l'anneau qui me donne plus 10% d'expérience. C'est cool, maintenant, donc, je peux avoir carrément 5 astuces flasques. Puisque je n'utiliserai pas les trucs cendreux qui sont pour les magies. Ça, j'utiliserai pas. Donc, renforcer. Voilà. Et j'en ai 5. Voilà. On va aller prendre quelques niveaux. On va aller voir le clochard dehors. Ok. Donc je peux en prendre qu'à 6, donc à 15, plutôt à 14, sans je pourrais prendre un level, je vais prendre un d'endurance, quoique vitalité, je suis à combien de vie? Ah mais l'anneau de vie donne pas grand chose quoi, enfin voilà, donc on va mettre carrément à 15 et constitution, ça je monterais pas mal en fait, je vais monter force, dextérité, vitalité, endurance, vigueur. Ok, je pense que ça me semble pas mal comme ça. Ok, comme ça. On va remplir sa vie, puis on va essayer le... Attendez, j'ai pas des âmes, là. Je les utiliserai après, puisque l'espèce de samouraï... what? Ah, ok. Mais, please? Waouh. L'espèce de samouraï donne 2000 points d'expérience. Il donne une très très bonne arme, que j'utiliserai pas. J'avais utilisé lors de ma première partie, puis j'avais en build dextérité. C'est toujours la peine des fois avec ce feu, il veut pas s'activer. Oui, en fait, c'était voyager. Et moi, j'avais pas vu le truc grand mur de l'autrique, machin truc, qui s'était activé en fait. Et j'avais bien bloqué. Donc, je vais aller essayer de buter le samouraï. Bon, maintenant, je devrais le maîtriser un peu mieux, parce que je le connais un tout petit peu mieux. Mais c'est pas un ennemi qui est des plus simples. Là où il y a des items aussi que j'ai loupé. Je vais les prendre maintenant. Bon, et là, si je meurs, c'est pas grave. Toi, j'ai vu que t'as droppé un truc. Braise. Si je meurs, là, c'est pas grave. Je peux récupérer mes âmes. Comme ça, on sera tranquille. Il n'y a pas des trucs que j'ai loupé ici. Comme ça, on sera tranquille dès le début du jeu. Enfin... On sera tranquille au début du jeu, quoi. Pas dès le début. Ah, ok, une âme. C'est toujours ça de prix. Ici, il te manque 50 points d'expérience. Là, je sais qu'il y a un item. Je connais surtout très bien le début. Hein. C'est ton bouclier de merde. Ça sert à rien que je regarde. Ok. Espèce de petit con. Espèce de... De... Waouh. Waouh. Il est quand même fort le truc. Il est quand même vachement fort. C'est rare que j'utilise les stances à deux mains. Mais contre lui, j'ai remarqué que c'était vachement efficace. Alors tu peux l'envoyer dans le vide. La plupart du temps, tu tombes avec lui et tu gagnes pas l'expérience. Cool. J'aurais dû le faire au niveau 1, mais bon.
le truc qui est quand même assez tendu. Donc il drop une très très bonne arme. Très 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 bonne arme. Un peu plus lente. D'ailleurs le jeu je le ferai la plupart du temps avec cette arme là en fait. Ça on verra plus tard pour ce tour, quand on aura la clé. Ouais, je ferai la plupart du jeu avec cette arme. Avec le build que je veux, apparemment c'est l'une des meilleures armes pour la situation. Elle est très très bonne en fait, l'arme avec laquelle le knight commence. Bon, on va reprendre les niveaux. Et... alors si je meurs par exemple, je pense que je couperai, je reprendrai la vidéo à l'endroit, à peu près à l'endroit où j'étais mort. À 16, endurance, ça me semble pas mal. C'est un truc qui m'a vachement posé problème, l'endurance. Mais là, pour le moment, je vais monter la vitalité à 15. J'espère que je fais pas n'importe quoi avec les stats. Voilà. On va aller voir la première zone. Des fois, je coupe comme ça pour voir si ça n'a pas eu de problème. Voilà. Je ne sais pas la durée des épisodes, je pense qu'on fera ça sur 45 minutes, entre 45 minutes et 1h20. Vu que j'ai pas de timer sous les yeux pour voir où je vais. Bon, la première, là la zone je la connais un peu moins. On va aller voir à droite tout d'abord. Donc oui, à chaque fois que je meurs, je couperai la vidéo, puis je reprendrai un petit peu avant l'endroit où j'étais mort. Comme ça, vous verrez éviter de faire des allers-retours de l'infini. J'adore l'ambiance du jeu, quoi. Je voulais pas faire en coup de pied, putain. Je sais qu'il y a un mec là-haut. Je me rappelle parce que je me le mangeais à chaque fois. Du coup... ah, il est où ce con maintenant? Hein? What? Eh ben... ah, mais il est là. Ok, on peut sortir du petit couloir. Parce que le petit couloir, c'est... c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Oh putain. Il est déjà là, lui. Ok. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Je pars à droite parce que là il me semble qu'à droite ça part sur, sur un cul-de-sac. Oh, salut. Vous savez quoi, je devrais carrément... ouais, impossible. Je devrais utiliser mes âmes. Et aller prendre le level parce que là je risque de crever. Ouais. On fera ça après avoir été voir ce qu'il y avait par là. Vaut mieux. Là. Merde. Qu'il y a des flèches. Un arc. Je crois qu'il drop un item du grade, l'ennemi là qui se transformait. Du coup, ce qu'on va faire. Qu'on va faire? Attendez, j'ai une petite idée. J'ai une toute petite idée. Attendez, non, pas là. Si vous voyez quelques coupures, hein, c'est normal. Mais là, en fait, ce que je vais faire, j'ai une petite idée. Une toute petite idée, parce que les nuits, là, je le déteste. Merde, ce que je fais. Je vais juste prendre le level, je vais pas utiliser mes âmes maintenant. Je vais aller acheter des flèches en fait.
Je vais acheter des flèches. Parce que voilà. Alors je pense que des fois quand j'irai comme ça dans le sanctuaire pour prendre du niveau, je couperai. Vraiment pour que ça soit le moins lourd à regarder. Voilà, vitalité à 15. Et je vais aller acheter des flèches. Je vais acheter des flèches. Ça va très bien, flèches en bois. Hop. Les flèches, c'est très bien. On va équiper un arc. L'arc, je n'utiliserai quasiment jamais. Alors, c'est quoi la différence entre standard? Ah, elles sont mieux, mais bon. Très bon. Donc on retourne là, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, je suis revenu ici. Puisqu'en fait, apparemment, ces espèces d'ennemis qui se transforment. Un truc de forge. Mais je les aime pas du tout en fait. J'ai vraiment de la peine à comprendre leur pattern d'attaque. À cause de leur forme bizarre. Oh. Non, eux franchement je les aime pas du tout quoi. Ok. Ouais, je pense que à chaque mort je couperai comme ça avant de reprendre un certain spot. Ouais, franchement j'ai vraiment de la peine. En temps normal je les évite. Je les comprends vraiment pas. Sérieux. Je crois qu'une fois mort, ils réapparaissent plus. Cool. Titanite Shard. Pantalon de déserteur. Ok, super. Y a rien par là. Il y en a un deuxième plus loin. Que je ferai à l'arc. Évidemment. Ok, je vais leur prendre ma vie. Puisque j'ai déjà utilisé deux astuces ici parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai tendance à faire n'importe quoi quand je reviens et que j'essaie de revenir dans l'endroit. Il y a des ennemis comme ça que j'arrive. Enfin, c'est surtout les ennemis difformes que j'arrive vraiment pas à comprendre exactement quand ils vont attaquer et ce qu'ils font. Quoi. Est-ce qu'ils font un mouvement normal ou est-ce qu'ils font une attaque? Beaucoup de trucs comme ça. Alors ça c'est un petit peu l'expérience gratuite au début du jeu. Je vais essayer de faire un contre. Bah, soit que je le fais trop tard ou soit que je le fais trop tôt le contre. C'est un truc... Bon, Dark Souls, j'ai remarqué, j'ai rejoué un tout petit peu à Dark Souls 1 hier pour voir. Mais effectivement, Dark Souls 1 est beaucoup beaucoup moins nerveux quoi. Les ennemis sont beaucoup plus lents et toi aussi t'es beaucoup plus lent. Ça c'est l'expérience gratuite. Il y a pas encore des mecs là, des mecs là. Des mecs. De l'expérience gratuite quoi. Tout le monde aime l'expérience gratuite. Alors là je sais qu'il y a l'enculé en haut. Je me rappelle parce que là j'étais mort plusieurs fois. Ouais, mais lâchez-moi putain. Jumelles, je m'en étais servi pour faire des screens des fois, surtout à certains spots. Parce que les jumelles c'est cool, ça sert qu'à ça d'ailleurs. Ok. Alors,
ça. Putain, il était pas mort lui. Ouais. Mais non, mais j'ai tellement de la peine contre les petits groupes d'ennemis. Les groupes d'ennemis quoi. Surtout quand ils attaquent vite. J'ai de la peine contre tous les ennemis du jeu, quoi. On peut dire ça comme ça. Allez. Allez. Ouais. Je vais utiliser mes armes en fait. Si je peux prendre le level. J'irai prendre le level. Je vais le récupérer ce qu'il y a là. Et on fera comme d'habitude, quoi. Une petite coupure, tout ça. Ouais, je pense que je vais aller récupérer mes armes parce que là c'est assez proche. Espèce d'enfoiré. D'où c'était. Je vais aller prendre le level là. Toi, je t'ai vu. Toi aussi. Ok, ouais, parce que vous voyez, c'était court. Si. Arrivé à 2000. Ok, là je dois pouvoir. Ok, c'est bon. Il est où le feu? Voilà. Ah merde, j'ai refait partir un peu trop vite. C'est pas grave. De toute façon, c'était juste à côté. J'ai mis un point d'endurance. J'aurais pu forger l'arme, mais ça on le fera en vidéo. On le fera en vidéo. En fait, le gros problème que j'ai avec les souls, c'est que je suis trop impatient. Et je fais beaucoup, beaucoup d'erreurs comme ça, quoi. Expérience gratuite au début, hein, c'est toujours ça de prix. Ok, donc là je sais qu'il y a le mec derrière. Essayer de faire un contre. Non, non, j'ai pas réussi. Franchement, les contres, je m'entraînerai peut-être une fois comme il faut, mais là, franchement, ça va pas. Pantalon de merde. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, là je vois ce qu'il y a. Waouh. Je vois totalement ce qu'il y a, mais une bombe incendiaire. Là, si je tombe ici, voilà. Pas besoin d'échelle. Alors, les antérieurs sont un petit peu plus sombres avec le Richhead. Tu vois, mais parfois j'utiliserai la torche. Ou parfois je désactiverai le Richhead dans certains antérieurs, si je trouve trop sombre. Ok. Donc là, il y a le dragon. On s'occuperait du dragon plus tard, puisqu'on peut le faire fuir. Et c'est pas si dur. Faut être patient. Donc là, on va essayer le dragon s'occuper de ses ennemis. Et vous avez vu ce bug? Attendez. C'était pas la caméra là, il y a eu un bug. Quoi? En fait, j'ai fait une roulade. Il y a eu une espèce de glissade toute bizarre. Faut que je vérifie sur la vidéo, mais là, il y a clairement eu bug. Première fois que je vois ça. Ah oui, merde, il y a... Ah, chiotte. Enfin, toi, tu m'as l'air bien pas mort. Attention, lui ça va être. Lui va être. Il va être tendu. Ils sont tellement rapides. Putain, mais lâche-moi. Lâche-moi, fils de. Vite. Est-ce que je peux me soigner? Espèce de petit con.
con. Espèce de petit con. Putain, ça va être dur de pas gueuler pendant ce let's play. Espèce de petit con. Bien sûr, des fois je gueulerai, mais je pourrais pas vraiment hein, prévenir. Ok, j'ai eu une âme de machin truc. En fait, le dragon, on peut le buter d'ici. Et on lui tire dans le cul, à l'arc. Mais ça, on le fera plus tard. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on a par là? Ne pas tomber. Ne pas tomber. Ok, j'ai une bombe machin truc. Et là, on a encore un passage. Y'a rien? Personne? Personne. Eh mais j'avais pas été là. Mais loul. Oh merde, j'ai dit... il fallait pas dire loul comme ça. Faut pas... C'est pas bien. Je la... Et je le savais pas, ce feu de camp. Je vous jure. Cool, mais je le savais vraiment pas, ce feu de camp. Je l'avais pas eu lors de ma première partie. Ah bah parfait. Attendez, est-ce que je peux être pis ici? Attendez, on va rire. Ah bah, attends. Quand j'ai... Mais oui! Mais putain, je le savais pas! Attends, est-ce que je peux le faire depuis ici? Oh. Et je peux le faire depuis ici? Faut que je trouve une zone safe. Ok, attendez. Par contre, il n'y a pas un endroit, ça lui ferait plus de dégâts. Ok, attendez. Ah! Alors, attendez, elle est où? Il est où le point safe? Il est où le point safe? Je le trouve. Ah merde, mais il est où? Ah mais non, mais j'avais découvert ce feu de camp, mais seulement après avoir... Après avoir fait fuir le dragon. Bon écoutez, on se le fait. Quoique non, il peut encore nous servir. Pour passer tous les ennemis. Ah mais non, mais non, mais non. Allez, on se le fait, comme ça on va récupérer, parce qu'il y a des trucs intéressants à récupérer. Bon, on tente. Peut-être que je fais pas assez de dégâts. Attends, est-ce que si je me cache là derrière? Mais c'est de la merde, les murs! Ouais, écoutez, on laisse tomber. Laisse tomber, on se le fera quand on aura plus de points de vie. Ce sera mieux. On le fera au début de la prochaine vidéo. Ou à la fin de la prochaine vidéo. Voilà. Est-ce que je peux prendre le level là? Je vais utiliser mes âmes. Parfait. Comme ça, je vais aller grader l'arme au passage. Je pourrai aller grader mon épée. Parce qu'à l'endroit où il y a le dragon, il y a des trucs assez intéressants. Ah, je vais prendre le level avant du gradé. Je devrais pouvoir prendre un niveau là de forge. Ok, alors. Le ratio de poids est à combien là? Bon, pour le moment ça va. Ok. Force et dextérité à 16. C'est moi ou bien j'ai une roulade lourde là? Combien il pèse l'arc? Ah voilà, je vais enlever l'arc. Ah, voilà. Parce que le truc que je veux vraiment éviter, c'est de faire des roulades lourdes. Les roulades du gros quoi. Alors, hop. Donc je passe de 121 à 122. Et il m'en faudra plus que 3 après. Ok. Donc
tour du... Ouais, non, je l'avais débloqué, celui-là, mais seulement vachement plus tard dans le jeu. C'est quoi qu'on a en feu de camp ici? C'est vachement cool qu'il y en a un. Bon, bah, le dragon, on s'en occupera plus tard. Pour le moment, j'ai pas assez de points de vie. Puis je l'avais fait dans un autre spot. Quand je l'avais fait, c'était plus simple à esquiver ses attaques. Par contre, là, j'arrive jamais à retrouver. C'est là, non? Ah, ouais. Ah, j'aurais dû acheter. Non. Non, toi, je t'ignore. Toi, je t'ai entendu. J'ai essayé en contre, mais j'ai pas réussi, quoi. J'ai vraiment pas réussi. Oh, salut. Salut. Adieu. Petit thème par là. Ah, là, c'est la suite, non? Ouais, c'est la suite. Ah, ça m'arrange qu'il y a eu le point de sauvegarde là. Alors, truc là, je vais continuer de fouiller par ici, voir ce qu'il y avait. J'ai vraiment envie de choper le plus possible, d'items. Histoire d'être plus à l'aise possible. Oh, salut. Il y a aussi les backstab que j'arrive à faire rarement, quoi. Oh, on a quelque chose ici. Mais là, ça pue l'ennemi planqué. Oh, pas vraiment planqué. Parce que ça, c'est un connard à bombe. Je n'aime pas les connards avec les bombes. Couteau de lancer, ça, c'est le genre de truc que j'utilise jamais. Vraiment jamais. Torse, my breaker. Putain! Quand les contre, je les comprends pas. Je les comprends vraiment pas. Tiens donc. Ah ouais, je vois où on arrive. Verrouiller. Puisqu'il s'agit de verrouiller. Ok, commentaire de qualité, évidemment. Rien d'autre par là, je peux remonter. Ok, bon, je peux remonter. D'ailleurs, de mémoire, on va arriver au deuxième boss. On s'arrêtera après le deuxième boss. Alors, attendez, là. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Voilà, là, j'ai réussi. Parce que son coup était vachement simple timing. Dommage parce que le courant c'est vraiment le truc que j'aimerais le plus maîtriser. Putain. Ok, donc là on va le faire à l'arc. Puisque ça va être un peu plus safe, j'ai l'impression. Ah. Hein. Non! Pas le buter. Parce que vu qu'il drape un truc de forge. Est-ce que je peux le monter et le shooter de là-haut? Est-ce que je peux... Y aller. Ah oui mais non quoi. Ah oui mais non. Attends, ce truc il s'est monté les échelles? Non, non, non. Alors l'arc, c'est un truc que vous verrez très peu utiliser dans le jeu. À part pour ce genre de situation. Non, 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 non. Non, 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 non. Je sais pas ce que c'est, mais... Ça ressemble à rien. Ah. Ah. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le titanite.
Sharda. Je sais qu'il y a un cristal, machin truc. Ici. Non, non, non. Non, non, non. Toi, tu... Putain, je vais me chier la gueule. Non, non. Tu restes tellement là, toi. Gemme brute. Oh. Moi, j'aimerais une gemme raffinée. J'espère que la première, elle arrivera pas trop tard. Ok. Oula, toi le gros, je vais t'éviter en bas parce que je connais. Je connais, c'est bon. Évitons les gros pour... Wow, putain, je l'ai pas vu ce con. Je l'ai complètement... Ok. Mais comment... Mais comment j'ai failli tomber? Mais comment... Comment j'ai trop failli tomber? Je ferai peut-être une compilation avec toutes les morts, on verra. Ça... Ah non, c'est d'où j'arrive. C'est d'où j'arrive. Oh putain! Cool. Ok, toi je t'ai entendu, mais la garde elle a carrément pas pris quoi. Super. Des fois la garde ne marche pas. Oh, j'ai pas vu. C'est de la merde. Je ramasse tout ce que je trouve. Y a pas quelque chose de planqué là derrière. Anneau de chasseur de mort. C'est quoi? Oh, c'était trop inconsommable à la con. Ok. Oh non, lui je l'évite. Ok, lui je m'en souviens. Ok, je vais le tenter. Non, putain de caméra. Ok, Non, je l'évite. Ok, est-ce qu'il y a un item ici? Épée large, je m'en fous. Je m'en fous que ce soit une épée large. Tiens, là-bas, comment j'y vais? Comment... Attendez, comment est-ce que je vais là-bas? Je vois qu'il y a un truc. Par là? Non. On tombera bien dessus une fois. Si je loupe un item à la con, c'est pas grave, mais... Il y a vraiment les trucs comme les upgrades de potions que j'aimerais vraiment récupérer. Ok. Peut-être par là. Et il faut peut-être monter. Oh, peut-être reprendre le bouclier. Oh. Est-ce que lui pourrait pas marcher? Ah non, je vais tomber trop proche des deux ennemis là. Ça le fait pas ça. On va vraiment m'occuper des clubs en premier. Oh cool. Non mais putain de Loken. Oh, ils sont carrément trois là. Ça va. Ça va. Ah. Merde. Je reprends d'ici. Des trucs que j'ai loupés. Bien sûr, on va essayer de retourner au spot où... Sérieux. Au spot où j'étais mort. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? J'essaie d'aller trop vite. J'essaie d'aller vraiment trop vite. Arbalète légère, ça c'est pour les builds force. Mais là j'ai vu... Attends, ouais, ici. Je... Là, ça on l'a loupé. Ok, bonbon cendrier noir. Maintenant il faut que je retrouve l'endroit où j'étais mort.
Ah, si j'avais pas pris l'échelle. Attends, voir. Non, non, non. J'avais pas pris l'échelle. C'était par ici. C'était pas là. Là, il y avait l'espèce de net. Ok, c'était là-bas. C'est quoi ce bruit, toi? Il y a un truc qui s'excite là, j'arrive pas à voir d'où ça vient. Ok, toi. Ok, c'était pas. Toi, c'était vite. C'était par là, non? Ok, c'était là que j'étais mort. Parfait. Bon, je vais faire ça là. J'aurais pu utiliser ça, ça aurait été pas mal. Histoire de les attirer. Un par un. Waouh, ils aiment vraiment pas le feu, les chiens. C'est eux que j'aimerais attirer un par un. Et viens là, Bobby. Oh, je crois que je comprends pour les backstabs. Maintenant, il faut être vraiment proche de l'ennemi. Sérieux? Attends, le lock-on, des fois, il... Merde. Le lock-on... J'ai enlevé les potions? Ah merde, quel con. Le lock-on, des fois, il a... Il arrête de marcher sans trop de raison, quoi. Et c'est assez l'horreur. Par contre, mes âmes sont où? Vers là, du con. Saloperie de mur. Saloperie de mur. Gemme brute. Je crois que c'est un drop rare en plus, mais les bruits, j'en ai rien à foutre. Ok, récupérer les âmes. Oula. Et cool, une fragment d'estus, ce qui va me permettre d'avoir une potion en plus. Là, je vois, il y a un mec qui me dit... Ok, je les déteste. Je vois absolument pas d'où il tire. Ok, il est là. Je les déteste parce qu'il tire à distance dessus. Ah, il y a un coffre là. Mais toi, tu m'as pas l'air légit, le coffre. Ah, bah si. Rempart de l'aigle d'argent. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? C'est un peu moins bien, mais... Je le préfère parce que je peux utiliser les stances de l'arme avec. Comme j'utilise très peu le contre, on a vite fait le calcul. Est-ce que je peux sauter là-bas? Non, de toute façon, j'aurais pas pu. Ok. Ah, on a encore quelque chose ici. Cool. J'entends quelque chose en haut que... Putain, je l'ai pas vu. Que j'ai pas envie d'entendre. Ah, je les aime pas. Là. Clé de cellule. Ça, j'avais carrément pas découvert lors de ma première partie. Du coup, la cellule, elle est où? Elle est où cette foutue cellule? Ah, lui, j'aimerais. J'aimerais les. Oh, il y a un item ici. Âme de corne. Oula. Oula, oula, oula. Je devrais carrément retourner au camp là pour voir si je peux forger. Pour reprendre ma potion. Parce qu'après, normalement, je devrais aller là.
Il n'y a pas de feu de camp, il y aura en bas, c'est pas de feu de camp. Par contre, la cellule. Attendez là. Lui, le gros, je vais l'éviter parce qu'il a. Je prends des items, je pense. Un item ici. Braise. Ok. Cool, rapière. C'est les rapières sont vraiment bien. Ok. Est-ce que combien j'ai de 4? Il me fallait. Attendez, il me fallait pas que 4 pour upgrader mon arme. 4 ou 6, je sais plus. Ah puis. Et puis long. Cool. Ça, je peux upgrader l'arme. Comme ça, j'ai pu garder mon arme. C'est cool ça. Il m'en faudra 6. Est-ce que je peux prendre le level 2122? Ok, non, je peux pas. Mais j'ai ça. Mais à mon avis, il va manquer genre 10 points quoi. Putain, c'était 4600. Ouais. Donc là, ça doit donner 50 ou 100 ça. Ah non, 200 carrément. Ok, donc on va monter à la dextérité. Ok. Et on va retourner là, mais là j'ai à peu près tout fait, donc on n'a qu'à avancer normalement. Je sais pas combien de temps elle fera cette partie, mais bon, j'ai pas vraiment de contrôle sur le temps, on verra bien. On verra bien. Attendez, je suis où là? Non, c'est bon. Donc toi, j'étais vite. Oh oh, il y a un truc là. Essayez de pas trop rusher au début, histoire de bien être tranquille sur l'XP par exemple. Bon là, ça donne pas grand chose. J'ai trouvé un spot de farming d'XP, mais c'est vachement. C'est vers la fin du jeu, quoi. Parce qu'évidemment, je ferai du farming d'XP. Parce que vu que je suis pas très fort contre les boss. Et tout ça, pour les boss. Mais évidemment, tout ce qui est farm, par exemple, dans l'item. Ou. D'expérience, je couperai de la vidéo. Ok, là par contre, je trouve plus. Ah, mais attendez, c'est pas ça la cellule? Eh, cool, ça je l'avais pas trouvé là dans ma première partie. Ah, you know Taylor, are you? No, no, you're from. You must be some of that unkindled ash. Remarkable. Je sais pas à quoi il sert lui. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just an old woman. Please, I'm not asking for. I'll be sure to. I may be a petty thief. What do you say then? Very well, I am Grey Rat of the Undead. Okay, ça c'est la prochaine zone du jeu. Promise, give this ring to old Loretta at the pied du grand mur. Franchement, je vois pas. Je vois pas d'où il parle, quoi. Absolument. Oh, améliorer l'absorption des dégâts quand vos PV sont bas. Cool. Bon, ça peut peut-être donner quelque chose d'intéressant. Mais on va essayer de voir ce que c'est, on trouvera peut-être. Alors ça, franchement, je l'avais pas eu lors de ma première partie. Je l'avais pas trouvé. Mais là, par contre,
Où je dois aller déjà? Il n'y a pas une autre cellule là? Mais pour ça, franchement, je vois pas là ce que ça. Ça a l'air d'être en raccourci. Franchement, je vois. Par contre, là. Ah, mais non, c'est pas là que je dois aller, je crois. Je dois. Voilà, ici. Alors, le truc qui est là-bas, l'ennemi difforme, il réapparaît en fait. Je pense pas qu'il drop de shard. Donc du coup, on fait comme ça, regardez. Pour l'expérience gratuite. Ce qui bute les ennemis en se transformant. Et est-ce que je peux passer par là plutôt? Ça me semble un petit peu haut. Non. Je pourrais peut-être survivre, mais... Ok, ensuite... Espèce de petit con. Attends, non, c'est là que je dois descendre. Heureusement, mais en fait, merci ennemi, parce que j'aurais été complètement faux. Et je ne saurais plus où j'aurais dû aller. Mais... Ça aurait été splendide. Putain, mais. Ça aurait été splendide. Vraiment splendide. Ok, le gros bourris, on va l'éviter. Ok, il doit être derrière, donc c'est bon. Là, je crois qu'il m'a repéré. Ah. Ok, c'est bon. Âme de corps. Compte, c'est moi. Salut. Attends, heureusement que les ennemis sont pas tous ultra silencieux, quoi. Les ennemis sont silencieux. Mais attendez, là, j'ai pas été. Lors de ma première partie, j'ai pas été, là. Je crois pas. Ça, c'était vraiment pas cool. Pas cool du tout. Oh. Oh. Non, ça me dit rien du tout, ça. Mais je crois comprendre ce que c'est. Couteau le lancer. Je crois comprendre ce que c'est, en fait. C'est en shortcut. Attendez, le shortcut ramène où? Ah, génial. Voilà, par contre, là, j'aimerais éviter de crever. Enfin, quoique si je crève là, c'est pas grave. Je vois où je tue, en fait. Non, ça, je l'avais découvert, mais vachement, vachement plus tard. Pas maintenant. Oups. C'est un shortcut. C'est toujours ça de pris. En raccourci, c'est bien ça. Ça me permettra de venir plus. Oh, il fallait louper ça. Ça me permettra de venir plus vite ici. Fleur verte. Ok. Voilà, je vais te faire, toi. On va pas le fuir cette fois. Ah, mais ils sont un peu beaucoup. Je veux. Où? Non. Hector, il reste en bas, quoi. Pourvu qu'il se protège vite. Stamina. Ils ont tellement d'allonges d'attaque, quoi.
Merde, j'ai pas vu qu'il était en garde. Je les déteste ceux qui les lancent. Putain, mais... Ah, j'arrive pas à comprendre très bien dans quelle direction il faut les... En fait, il faut les esquiver. Parce que de côté, la plupart du temps, ça me touche. De face, ça me touche. Ça, je les aime vraiment pas, eux. Je ne les aime vraiment, vraiment pas. Heureusement qu'on a débloqué le raccourci, mais j'ai envie de les faire, ces petits cons. J'ai envie de me les faire. D'ailleurs, on va faire quelque chose d'intelligent. À force de mourir, c'est une technique que j'ai appris. Non, reviens là, sans ça. What? Renvoyer l'ascenseur vers le haut. Est-ce que je peux éviter les ennemis là? À part ceux qui me suivent jusqu'ici. Ok. Putain! Putain de couillon. De Locan. Attends, le Locan il prend trop. Eux sont pas très forts en fait. Il suffit de trouver une ouverture quand ils attaquent et ça va. C'est surtout eux qui me posent problème. Okay, de côté ça a l'air de passer. Non, sur les côtés, si je roule, ça va. Ah oui, mais il en shield bash. Non, mais non. Espèce de petit con. Espèce de petit con. Qu'est-ce qu'on a par là? Lui, je sais qu'il est vraiment pas simple. Non. Non. On l'évitera, machin, pour le moment. Lâche-moi, putain. Cool. Plus lourde. Ouais, non. Je regarde surtout pour le look des armures, moi. Parfois la défense, mais parfois le look. Et puis le poids aussi. Vu que j'ai envie que mes roulades soient légères.
Heureusement d'ailleurs que le poids, c'est seulement l'équipement que t'as sur toi et pas tous les objets que t'as sur toi. Ok. Alors elle, si tu la tues maintenant, ce que j'avais fait lors d'une des parties en fait, assez loin parce que je savais pas trop quoi faire et j'avais lu qu'il fallait la tuer, mais tu peux éviter en fait. Elle, quand tu la tues par exemple, je pourrais la tuer maintenant. Et en fait, ça débloquera un boss qui apparaîtrait normalement vachement plus tard dans le jeu, quoi. Évidemment, si tu le tues, tu peux dropper l'armure du boss, qui est vachement bien. C'est une de mes armures favorites. Et accéder à une des zones vers la fin du jeu. Mais bon, on ne va pas le faire. Parce que le truc est vachement, vachement trop fort. Bon, là, par contre... Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. On va faire ces deux petits cons qui sont là encore. Regardez un petit peu ce qu'on n'a pas loupé, quelque chose par là. Il me semble bizarre qu'il n'y ait pas d'item ici. Et on va s'arrêter là, quoi. Comme ça, prochaine partie. Ok, je me disais bien qu'il faut que j'ai le truc. Prochaine partie, on fera ce que j'appelle plutôt le deuxième boss du jeu. Je pouvais pas rester en garde, ce con. Ouais, parce que j'ai plus de potions. Ouais, c'est là où on va avoir le premier boss. Mais elle est pas en feu de camp. Je sais plus. Bon, en tout cas, nous, on s'arrête là. La prochaine fois, je prendrai la vidéo ici, quoi. Voilà, donc bonne soirée.